En fin d'année dernière, c'est le 20 novembre 2020 que Elisabeth II et le prince Philippe fêtaient leur 73e anniversaire de mariage. En pleine période de confinement, le couple était séparé de leurs arrière-petits-enfants. Cependant, ces derniers ne les avaient pas oubliés pour autant. À l'occasion de cette date spéciale, Buckingham Palace avait en effet partagé un cliché du couple, assis dans The Oak Room au château de Windsor, en train de lire les nombreuses cartes d'anniversaire qu'ils ont reçues pour l'occasion. Le sourire aux lèvres, on peut voir le prince Philippe tenir dans les mains une carte flanquée d'un gros 73 envoyé par le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Sur ce cliché pris par le photographe Chris Jackson, Elisabeth II portait sur sa robe en crêpe bleue une broche en chrysanthème remplie de symboles. En effet, cette dernière arborait déjà ce bijou lors de sa lune de miel avec le prince Philippe en 1947. Quelques semaines avant leur anniversaire de mariage, Elisabeth II avait perdu une de ses plus proches amies, Lady Moira Campbell, l'une de ses demoiselles d'honneur lors de son couronnement en 1953, à l'abbaye de Westminster, mais aussi sa cousine, Lady Elizabeth Shakeley. En cette période de deuil, la reine d'Angleterre avait alors énormément apprécié de passer le confinement auprès de son roc. Une de ses proches avait alors confié, tous ceux qui l'ont vu récemment disent que la reine semble mener une nouvelle vie car elle a adoré la chance de passer du bon temps avec Philippe. C'est la première fois depuis des années que la reine peut passer du temps de qualité avec son mari. Une véritable histoire d'amour, lors de leur 50e anniversaire de mariage, c'est en 1997 que Elisabeth II avait confié « Il a été, pour dire les choses simplement, ma force et mon été durant toutes ces années. Moi-même comme l'ensemble de sa famille, nous avons envers lui une dette bien plus grande que ce qu'il revendiquerait ou que nous en aurons jamais conscience. » Alors que le décès du prince Philippe est une perte terrible pour Elisabeth II, c'est sur le plateau de C à vous que Isabelle River, chef du service royauté au magazine Point de Vue, a expliqué hier, on dit que depuis la disparition, c'est très difficile à vérifier, mais c'est un bruit tenace là-bas, depuis la disparition de la reine-mère, la mère d'Elisabeth II, et de sa sœur la princesse Margaret, le prince Philippe était le dernier être humain au monde à lui parler normalement, à lui adresser la parole comme à une personne normale. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités.